Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle partie sur Star Stable à l'occasion des festivités hivernales de l'amitié. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer de jouer avec une amie. Quelqu'un que vous devez sûrement connaître si jamais vous êtes adepte des vidéos Star Stable sur internet. Il s'agit de Lara Iron Rider, de son véritable prénom Laura, qui vous fait pas mal de vidéos quand même sur sa chaîne. Elle a accepté aujourd'hui qu'on joue un petit peu ensemble puisque elle est bien plus avancée sur le jeu et du coup elle m'a proposé qu'on aille découvrir toutes les activités qui vont être proposées dans le jeu, le village de Noël, les nouveaux chevaux, le calendrier de l'Avent, etc. Cette vidéo est en partenariat et sponsorisée par Star Stable eux-mêmes. D'ailleurs, ils m'ont gentiment offert la possibilité de vous offrir une semaine en tant que Star Rider gratuitement. Je vous rappelle que le jeu est gratuit jusqu'au niveau 5. Au-delà, il faudra que vous passiez Star Rider. C'est un jeu équestre qui a lieu en ligne. Vous pouvez jouer sur votre ordinateur seul ou avec des amis. Pour vous inscrire, rien de plus simple, vous allez sur le site internet, vous créez votre personnage et vous allez voir que vous pouvez choisir la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux. Vous pouvez aussi choisir votre cheval, la robe ainsi que la couleur des crins. Vous choisissez votre nom, vous choisissez le nom de famille, vous choisissez le nom de votre cheval, vous entrez votre adresse email pour valider votre inscription. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à télécharger un fichier. Celui-ci, ça va être le jeu, tout simplement, qui va s'enregistrer sur votre ordinateur. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à ouvrir le jeu, entrer l'adresse mail que vous aurez au préalablement validée pour ensuite intégrer cette aventure qui a lieu sur l'île de Jorvik, où vous allez incarner un personnage qui va avoir dans un premier temps un premier cheval, celui du jeu. Et vous verrez que vous pourrez acheter des nouveaux chevaux, notamment lorsqu'il y a des mises à jour également, il y a des nouveaux chevaux qui apparaissent dans le jeu. Vous pourrez ensuite créer votre écurie dans laquelle vous pourrez prendre soin de vos chevaux, à savoir les nourrir, les entretenir, curer les pieds, brosser, etc. Mais vous aurez également la possibilité de les entraîner sur des courses, sur des parcours d'obstacles et également dans différentes missions qui vous feront évoluer sur le jeu et accéder à de nouvelles quêtes, de nouvelles régions et zones sur la carte. Tout ça avec des mises à jour régulières, ce qui rend le jeu particulièrement intéressant et on ne s'en lasse jamais. Oui, Haribo ne tient pas en place. Il est impatient de découvrir le village de Noël. Oui, tout à fait. Il veut voir si le Père Noël il lui a amené des cadeaux. J'avoue, c'est lui qui nous emmène. Bah, du coup, on va prendre le traîneau. Allez, c'est parti. Et le traîneau, du coup, il a une spécificité. Il t'emmène au village de Noël, c'est ça? Exactement. C'est un téléporteur. Bah, c'est comme les vannes, sauf que là, c'est un van qui t'emmène vraiment qu'au village de Noël. Et du coup, il y en a dans plusieurs zones. C'est parti. J'attends que t'apparaisses du coup. Je suis là. Ouais. On va où du coup? Il y a deux. Il y a deux descentes. Il y a soit le chemin, ouais, ou alors le toboggan, qui est beaucoup plus amusant. Bah vas-y. Je te suis, hein. Oui. Du coup, bienvenue au village de Noël. Il va peut-être falloir que je m'achète un petit pull parce que mon personnage est en débardeur, il va avoir froid. Du coup, je suis pas sûre que dans le calendrier, pour l'instant, il y a une tenue. Il y a un bonnet, déjà, si tu veux, dans la case 1. Bah attends, je vais les prendre parce qu'effectivement, moi, j'en ai pris aucun. Je peux tous les prendre d'un coup, du coup, vu que là, on est le 6. Ouais. Alors, tac, bonnet. Ah, mais ça va prendre de la place dans mon inventaire. Oui. Mais tu peux accéder à ton armoire depuis le village, ça c'est bien. Okay. C'est une première fois que tu peux accéder à l'armoire. Ouais, bien, bah c'est chouette. Ouais, ça t'évite du coup de retourner dans ton écurie. Ouais. C'est bien, j'ouvre tous mes cadeaux d'un coup, moi. Si j'ai dit retard. Ah, j'ai gagné des XP. Je crois. Ouais, il y a de l'XP cavalier et de l'XP cheval dans le calendrier. Le 5. Et le 6, c'est un café. Un café? Oui. Bah parfait, on va pouvoir boire un café au coin du feu. Exactement. Je vais voir au niveau des boutiques si je m'achète un petit pull, comme ça je me mets dans le thème avec toi. Non, ça c'est le déstockage, ça c'est des vieux trucs. Et du coup, collection congelée, c'est les nouveaux équipements. Ok, bah on va regarder ça. Alors, est-ce que je prends du rouge? Parce que j'ai déjà un équipement rouge en soi, mais c'est vrai qu'il est joli quand même. Dans les nouveautés, là, ouais, effectivement. Ça fait un peu écossais. Ouais. Sinon, bah, il y a la même chose en bleu, mais le problème, c'est que sur le bleu, il n'y a pas de stats dessus. Après, il y a le vert aussi.
lutin et tout, ça j'aime bien aussi. Et j'ai pas de verre. Ouais, regarde quand tu descends tout en bas. Mais c'est pas dans les nouveautés. Ah oui. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Bon, ok, je me suis pris 3 articles. J'ai pris un pull, un pantalon et un tapis. Ça va suffire, je pense. Je vais juste me changer du coup. Alors. Bah, moi je vais prendre les pots là qui vont avec. Je me suis pris le filet, le tapis et le casque. Et après, du coup, je vais prendre les décos qui vont avec. J'ai pas tout pris en rouge carreau parce que ça fait un peu trop de carreaux. Mmh. Voilà, c'est bon, mon personnage il est un petit peu plus chaud. Voilà, mon petit poney de Noël, il est prêt. Par contre, le tapis est tout petit. Ouais, c'est un modèle qui va avec les selles western, je crois. Bon, ça passe encore, hein, j'ai envie de dire, mais il est petit quand même. Ok, c'est bon, t'as fini tes achats, toi? Ouais. Ok. Ouais, j'ai fini mes emplettes. Je suis en rouge à carreaux. Ok, est-ce qu'on va se boire un petit chocolat? Ouais, mais du coup, moi, il faut que j'achète un truc à manger. Mais je sais pas si c'est un stand qui vend de la nourriture ici. Ah mince, je suis assise sur toi! Attends, comment je fais? T'étais confortable, mais on va peut-être quand même prendre une chaise. Voilà, ok. Du coup, on va pouvoir commander. Ouais, bah écoute. Bah, t'as ton chocolat, voilà. Chocolat ou café? Moi, je prends mon petit chocolat. Hein. Ah, mais j'ai un sandwich dans mon inventaire. Attends, quoi? Ça me dit que j'ai un sandwich dans l'inventaire. Pourquoi ça me dit que j'ai un sandwich dans l'inventaire? Tu possèdes déjà cet objet, mais je regarde mon inventaire, j'ai pas de sandwich dedans. Bah, je sais pas. Bah, moi, écoute, je me suis sorti mon petit chocolat que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et ma petite part de gâteau anniversaire que je n'avais pas encore mangé. On n'a pas le même repas. Non, c'est clair. Moi, j'ai la boisson et le dessert. Toi, t'as le plat. Mais du coup, si on sève, notre bouffe, elle reste. Bon, bah, ce sera pour les prochains. Hein. On la voit sur... Ah ouais, j'avoue. Ouais, tu peux pas la récupérer, la reprendre dans ton inventaire? Non, une fois que tu la poses, elle est là. Bon, et bah, tu sais quoi, ça sera notre bonne action. Ça sera des dons. Voilà. Bon, je te suis. Allez, allons chercher un petit coin autour du feu. Du coup, j'en profite aussi pour te montrer une nouveauté de cette année. Ah, attends, t'es où? Parce que du coup, je t'ai la carrière, c'est tout nouveau de cette année. Mais t'es où? Je t'ai perdu. Ici. Attends, je vais faire un truc pour que t'arrêtes de me perdre. Je vais te mettre dans le groupe. Je t'envoie une demande de groupe. C'est où? Ça va être dans l'onglet parler? Ah non, ok, d'accord. Ça t'envoie la demande là sur le côté. Et comme ça, tu verras où je suis. Je mettrai un petit point bleu sur la carte si je m'éloigne trop. Alors, du coup, voici la carrière de Noël. Donc on se fait un petit pas de deux. J'ai aucune notion en dressage. Et tu sais qu'il y a carrément des clubs sur SSO, enfin des guildes du coup, oui. Qu'on appelle ça. Oui, j'ai vu ça. Qui font du dressage organisé entre eux, c'est incroyable. Ah bah c'est bien. Ok, doublé entre A et C, arrêt progressif en X. Et donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette carrière? Tu peux juste t'entraîner? Parce ou... que juste, ouais. Bah, avant, on n'avait pas de carrière dans cette zone et du coup, bah, c'est nouveau. D'accord. Et c'est joli, du coup, le décor. Ouais, c'est clair. Un petit tour. Avec l'aurore boréale aussi. Boréale, pardon. Comment tu fais pour te cabrer? C'est X? Non? Ouais. Si, c'est ça? Ouais, mais faut que tu marches, parce que sinon tu descends. Oui, c'est ce qui va m'arriver. Wouhou. J'ai en objectif de manger ma merguez. Le souvenir, il doit y avoir un coin pique-nique à côté de ce lac. Bah là, il y a un feu, tu vois, avec des boules de neige, mais... Pas un feu, c'est une lumière. Ah. Ah, je vois un feu là-bas. Par contre, viens sur la glace. C'est marrant parce qu'on peut drifter sur la glace. Ils ont vraiment fait un sol glissant, du coup. Ouais, effectivement. Je vais pouvoir utiliser ma merguez. Non. Je ne peux pas utiliser ma merguez. Ce n'est pas un coin pique-nique, on peut juste s'asseoir. Ouais. On se réchauffe au coin du feu. Et du coup, est-ce que tu veux en profiter pour faire ton petit disclaimer par rapport aux personnes qui donnent des informations un peu personnelles quand ils jouent à plusieurs
Exactement. C'est le moment un peu moins fun où je fais mon adulte responsable. Là, du coup, avec Cassandre, on joue en multijoueur, on est en appel sur Discord. C'est quelque chose de tout à fait normal de nos jours de jouer en ligne avec des gens. Mais du coup, il est important quand même de préciser, parce que je fais, rappeler. C'est important quand même de respecter certaines règles de sécurité par rapport aux communications en ligne. Comme, par exemple, ne jamais donner d'informations personnelles qui permettraient de vous retrouver. Parce qu'il faut savoir que sur Internet, les gens, ils sont pas forcément bien intentionnés. Faites très attention par rapport à ce que vous dites sur Internet. Ne communiquez jamais de données personnelles. Pas de nom de famille, pas d'âge. Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse personnelle, ni la ville où vous habitez, etc. Enfin, faites surtout très très attention à ça. Je vais remonter sur mon petit Haribo et j'aimerais bien que tu m'emmènes découvrir les nouveaux chevaux. Alors qui en soi ne sont pas nouveaux pour l'instant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure je crois. Là c'est ceux des années passées. Ouais. Les prochains nouveaux arrivent mercredi. Ok. Tac. Tu l'as caressé au lieu de monter dessus. Oui. Effectivement. Je ne peux rien te cacher. Mais c'est pas grave, il y a plein de petits cœurs sur mon poney, il est content. Voilà, il a été gentil pendant qu'on a parlé, il a attendu, du coup je lui fais une petite caresse en guise de récompense. Ils sont dans le village du coup ? Je garde mon cheval dans le feu. Voilà, toi t'es... Je trouve que tu prends un petit peu moins soin de ton cheval, hein. Oh, c'est le 97e. S'il crame, j'en ai d'autres en stock. Du coup, les nouveaux chevaux, ils sont... là-haut. Allez, je te suis, ok. Du coup, voici les chevaux. Ok. Je les fais dans l'ordre croissant des années, donc ça c'est le Edrun de l'année dernière. Ok. Ça c'est le Fonsi de l'année d'avant. Il est joli donc, celui-là. Il est basé sur le modèle de l'Andalou. Ok. Et du coup, il fait un peu Bambi. Ouais. Et à côté, il y a le Brinic qui date d'encore avant. Qui est du coup sur le modèle du Suédois du Nord. D'accord. On dirait une petite licorne givrée. Oui. Ben moi, juste pour faire plaisir à ma fille, je vais me diriger vers le petit Bambi. Donc le Fonsi. Voilà. Ok. Est-ce qu'on achète le cheval ? Allez, on achète le cheval pour faire plaisir. Est-ce qu'il y a un nom qui pourrait faire un peu Bambi d'ailleurs ? En suffit que j'ai mis Bi, mais j'aimerais bien trouver un truc qui fait un peu ban. Parce que tu vois, mes chevaux, genre Haribo, je l'ai appelé Avibo. Allez, on va l'appeler Bobby. On va pas trop s'attarder sur le nom. Ok, félicitations pour ton nouveau cheval. Ah oui, mais du coup, ça va me ramener à l'écurie, non ? Oui. Faut peut-être le chercher, du coup. Ok, bah je vais monter dessus. Comme ça, on va reposer Haribo. Oh, c'est trop bien. Je viens de voir que même l'écurie, elle est décorée. Il y a des petites couronnes et tout. Il est là-bas, mon Bobby. Allez. Du coup, j'ai trouvé comment inviter des gens. Par contre, du coup, faut qu'on soit dans un groupe. Mais le problème, c'est quand tu vas dans une écurie, ça quitte le groupe. Oui, je suis plus dans le groupe, là. Je vois, effectivement. Ouais. Du coup, attends. Sors de l'écurie. Attends, je suis en train de ranger Haribo. Ah oui, mais il va falloir que je reprenne un cheval pour sortir. Je peux pas sortir sans lui, je crois. Du coup, attends, j'arrive. Je vais te demander en ami, comme ça, tu m'as dans la liste d'amis. Et comme ça, tu vas pouvoir m'inviter dans l'écurie depuis la liste d'amis. Ok. Mais c'est bizarre parce que normalement, tu peux ajouter les gens depuis le groupe, mais je sais pas pourquoi ça quitte le groupe du coup quand on est dans l'écurie. Mais après, je pense que ce serait plus sympa que je vienne visiter la tienne. Parce que t'as beaucoup plus de avec chevaux. Avec mes 97 chevaux. Bah exactement. Bon, sauf si tu veux venir voir Nomad, Ayboy et Haribo. Mais... Oui, bah, je veux faire ma fangirl. Vas-y, mais cela dit, on aura très vite visité la mienne du coup. Tu veux montrer mes chevaux à tes abonnés ? Exactement. Du coup, pour rentrer dans ton écurie, bah... Attends. Je suis sortie, je suis derrière toi. Ah oui, t'es là. Ouais. Je t'avais pas vu. T'as changé de cheval, du coup, mon cerveau, il a pas... Oui. Où est-ce que c'est ? Ah, là. Il y a une notif qui clignote, normalement. C'est bon. Ok. Voilà. Et du coup, tu retournes dans ton écurie. Ok. C'est bon. Peut-être que tu l'as. Du coup, provenance... Oui, j'accepte. Ah. Ah. Je te vois. Donc fallait que je rentre dans l'écurie, d'accord. Ok. Bon, attends, moi je vais en profiter pour rhabiller mon petit cheval. Je fais un câlin à tous tes chevaux. Ton cheval de départ. Ouais, Apple Scout.
Hey boy, par contre, je vois que tu prends pas soin de tes chevaux. Je n'ai pas encore fait les soins, là. J'ai fait que ceux d'Haribo. Non, ça me marque comme si je pouvais monter dessus, mais ça m'étonnerait que tu puisses monter sur les chevaux des autres. Je sais pas. Tu peux pas lui faire les soins non plus, non? Bah ça me le propose, mais je peux pas. Le cheval gratuit de l'anniversaire. Dis du coup, un Suédois du Nord. Pourquoi t'as pris un Suédois du Nord? Où ça? Nomade? Non? Ouais. Ouais, c'est Nomade. En fait, au début, j'avais le Curly. Mais il ressemblait pas tant à Nomade que ça. Et après, j'ai pris celui-là parce qu'il avait une liste. Tout simplement, c'est juste une question de robe. Ah. Parce que morphologiquement, il aurait bien mangé à la cantine, Nomade. Oui, oui. Mais en même temps, Nono, il a bien grossi. Parce qu'il est à la retraite maintenant, quasiment. Et du coup... Mais c'est pas facile de trouver des chevaux qui ressemblent exactement, tu vois. Il va falloir que je contacte Star Stable et que je leur demande qu'ils fassent la collection Rêve Compulsif avec mes vrais chevaux. Bon, on va dans ton écurie. Jade, Dream Crystal. Oh, il est beau, lui. Cherry Blossom. Lui, c'est un limité, il reviendra jamais en jeu. Oh, il est parti. Là, lui, c'est un Halloween. Là, c'est... Oh. Ça, c'était pour je sais pas quoi. C'est des chevaux avec des plumes. Et joli aussi. Très coloré. Ouais, c'est clair. Bah, très, très rose, quand même. Ouais. Oh, celui-là aussi, il est joli. Celui-là, les yeux roses, quoi. Stoneheart. C'est parce que c'est une pierre pandorique. Mmh. Pierre runique, et du coup le rose c'est la magie dans ses yeux. Mmh. Et il y en a un que t'aimes bien en particulier aussi? Mon préféré parmi tous les magiques c'est Ayla, enfin du coup je l'avais appelé Dream Crystal. Je le trouve super beau. En fait, déjà j'aime bien le fait qu'il soit rose, bleu, pastel. Mmh. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ah, et surtout, en fait, il est très détaillé au niveau de ses motifs. Et du coup, sa robe normale est très jolie aussi. Comment t'as fait? En appuyant sur H, les chevaux magiques, ils se transforment. Ah, trop bien. Et si t'appuies sur H, tu peux le mettre dans sa forme nature. Ok, c'est bon. Oh, il est trop beau comme ça, Palomino. Oh, il est magnifique. Allons entraîner mon nouveau petit cheval. Voilà, du coup on lance la course. Bon, on n'est pas en groupe, mais j'attends du coup, vu qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas un temps très serré sur cette course. Du coup, moi je te vois pas, mais toi tu me vois, j'imagine. Ouais, je te vois prendre tous les détours. Pourquoi les détours? Parce que tu suis tracé. Bah oui. C'est pas comme ça que tu vas te classer. Toi tu coupes. Oui, moi je passe dans le décor. Si, regarde là, je vais pas suivre le tracé, je vais sauter par-dessus la barrière. Des poteaux. Qui a été retiré, ouais. Ah, t'as triché. Tu m'as passé devant. Eh oui. Et voilà tout le monde, cette partie est terminée. Je remercie beaucoup Laura d'avoir accepté de participer à cette vidéo avec moi, d'avoir joué le jeu, de m'avoir montré quelques petits trucs, puisque comme je disais, elle est beaucoup plus avancée que moi dans le jeu, c'est une vraie gameuse dans l'âme. Du coup, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer, je vous le répète encore une fois, sur le lien qui se trouve en barre d'informations qui vous permet tout simplement de devenir Star Rider gratuitement pendant 7 jours. À l'heure où je tourne la vidéo, je tiens à vous préciser que la nouvelle mise à jour du 8 décembre n'a pas encore eu lieu. Mais profitez-en puisque vous avez encore quelques jours pour profiter des festivités de Noël. Bon allez, moi, sur ce, j'arrête ma vidéo ici. Je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas également à me dire si un jour vous voulez qu'on organise un live comme Laura a l'habitude de le faire avec sa chaîne YouTube et ses propres abonnés. Mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa qu'on se retrouve tous ensemble pour pouvoir jouer et parler en temps réel. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos chevaux et amusez-vous sur Star Stable. Salut !